Oui, les amis, vous n'avez pas rêvé. La fin de I Am Fish. Avant l'année 2000, avant la fin d'année. Il nous restait un poisson à sauver. Un seul poisson à sauver. Tu te fous de ma gueule? Oh là là, le scénario de fou. Il se rappelle avec ses potes. Ça fait longtemps que je suis pas venu le sauver. Il est tout seul. Et ses potes sont dans la mer, on les voit. Mais du coup, lui, c'est quoi son pouvoir? Faudrait que je réapprenne le jeu déjà. Il se gonfle, mais ça sert à quoi en gros? Parce qu'on passe d'un Pokémon qui pouvait planer, un poisson, il pouvait planer à un poisson qui se gonfle. Non, le dernier c'était le planeur, ouais, le dernier était tellement dur le planeur. Jeu du siècle, si on me demande. Hein. Le checkpoint. Je l'ai vu l'entrée. Je l'ai vu mon gars. Ah, j'ai fissuré le bocal. Pas mérité. Il y a un chien. Il y a un dog. Et mon crâne, faut aller où? Comment ce jeu a pas été GOTY, il faudra m'expliquer. Hein. Elden Ring mon cul. Non, par contre, soyons honnêtes. Hein. Soyons honnêtes. En termes de jeu d'animaux, ce jeu... Mais qu'est-ce que ce jeu fait à Stray? Je peux même pas le dire carrément. Je peux même pas le dire, frère. Bon, faut aller où la sortie? Ah, c'est comme ça. Ah, les gars, Stray a eu tellement de récompenses. C'est tellement pas mérité. Alors que I Am Fish est là. Comment Stray a pu avoir autant de récompenses? Or, I Am Fish maintenant. Les chats sont trop surcotés. Après, il n'a jamais été un grand jeu. Ça n'a jamais été un bon jeu. Ouais, dans la rivière. Libérable! Libérable! On va aller rejoindre nos amis! Ah, Viskil, j'ai laissé galérer des mois et des mois. Hein. Ouais! Il a l'air trop bête ce poisson. Ouais. Oh, le pouvoir de merde qu'il a. La série, le piranha, il était incroyable, je viens de m'en rappeler là. Nique sa mère le pain, j'ai pas le temps moi, je veux juste finir.
Le poisson volant, à la fin, je maîtrisais tellement. Les souvenirs, les gars. Ah, pour l'instant, c'est imperfect ce que je propose. Hein. Attends, j'ai pas eu le pain là? Vas-y, remonte mon ref. Perfect. Mais frère, j'aurais 5 étoiles là. Je vais trop vite là, j'avance trop vite dans le jeu. Oh, t'en es loin, frère. Piche mollet. C'est quoi le but? Alors, en fait, il y a tout un scénario dans ce jeu que t'as pas compris encore. En fait, il était ami avec plein de poissons dans un aquarium. Et un jour, on est venu. Tout le monde est venu acheter un poisson dans une maison différente. Et du coup ils sont plus amis. Enfin, ils sont encore amis mais ils sont plus ensemble frère. Et du coup ils se sont donné rendez-vous dans la mer quoi. Oh putain j'ai peut-être trop grid. J'ai grid. Je crois en toi. Putain je croyais en lui frère. Ah j'ai grid. Et du coup, en gros, tout le monde les a pris. Il y avait un poisson volant, un poiscaille normal, un poisson pic, comme lui. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est contrôlé. Et non, tous ceux qui ont écrit 2. Les bouffons, vous connaissez rien au jeu. Et du coup, là, le but, c'est d'aller les rejoindre. On a déjà fait les histoires de tous les autres poissons. Et j'attendais de finir le jeu, là. Mais c'est un jeu vraiment incroyable, no joke, il est vraiment bien. Voilà, on est dans une rivière, depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui bouge, mais... Les autres poissons avaient plus de possibilités. Le poisson nageur, il était incroyable. Le poisson nageur, ouais, ça je prends. Ah, c'est le début. C'est le premier épisode de la campagne, 5 étoiles niveau 1, au calme. Logique pour des joueurs comme moi. Pour des joueurs comme moi, c'est normal. C'est normal, j'ai l'habitude. 5 étoiles, c'est normal. C'est normal, c'est niveau 1. C'est la première partie de la campagne de ce poisson. Le poisson à pic. Il y avait un poisson qui volait, enfin qui planait. Du coup, t'avais des chemins très très difficiles à prendre avec. Il y avait un poisson piranha. Et il mordait les trucs. Du coup, tu devais t'en sortir en mordant les trucs. Et lui, ben, il roule sur la terre. Oh là là, des épines, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Attends, mais... Mais frère... Il casse les épines, c'est un monstre! C'est un monstre ce mec! La force de la nature! Mais ça le ralentit quoi, il touche une épine. Du coup, si je me fais ralentir, il y a moyen que je puisse ne pas le sauver. Aïe aïe aïe. Ça ralentit de baiser quand même hein. C'est un peu comme les skieurs en fait. Je dois faire des slaloms.
Bon, là, je crois que je suis obligé de casser dans tous les cas. Pas grave, on passe de toute façon. Attends. Oh 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 oh! Vas-y, c'est quand on retourne dans la ville là? Cette rivière, elle va commencer à me saouler là. Ah, la conduite de balle qu'il a quand même, c'est quelque chose hein. C'est monstrueux hein. On va passer à gauche. TTS, mais pourquoi vous spammez TTS? Mec qui spamme TTS, ils font même pas de blagues. Non, non, pas les tuyaux, non! On va arriver dans la ville. Mon gars sûr dans la ville. Tu le méritais depuis tout ce temps. Mais attends, je suis censé faire quoi là? Je suis vraiment censé mais j'ai pas l'impression. Il se passe rien, on est d'accord. Hein. On va retenter le saut parce que je l'ai raté. Mais j'ai pas l'impression que ce soit par là qu'on doit passer. Vas-y frère, il saute pas aussi haut que les autres. Quoi? Quand je vais dans le sol, je peux... Quoi? Bah oui, avec la pression de l'eau et de l'air. Logique. C'est comme le Gomu Gomuno. Hop. Il y a un mec là, j'ai rien à voir. Alors, regarde. Quand Luffy fait Gomu Gomuno et qu'il gonfle son bras. Et après son bras... Bah, il relâche toute la pression et il met une patate. C'est la même chose. C'est pas sous l'eau, mais c'est le même principe. Donc, me dites pas non, ok? Et l'eau, du coup. Non, mais les mecs qui écrivent l'eau, du coup, vous êtes abrutis. On peut rien faire pour vous, c'est dommage. J'aurais adoré vous aider, mais vous êtes trop con. On pourra pas vous sauver. Vous, on pourra pas vous sauver. C'est déjà trop tard. C'est une peine perdue qu'on appelle. Donc vous, je vais pas vous répondre, ça sert à rien de parler avec vous. Ah, je pensais qu'il allait pas être skillé celui-là, mais il est skillant. Hein. Ah. Tu connais la poussée d'Archimède? Mais bien sûr. Mais c'est ça que j'essayais d'expliquer. Mais je voulais pas faire le mec qui dit ouais, la poussée d'Archimède et tout. Parce que les gens ils connaissent pas et je vais juste passer pour quelqu'un d'arrogant. Je voulais d'abord vous expliquer le concept, puis après vous dire que c'était la poussée d'Archimède.
pour que vous impressionnez vos profs de collège et de lycée. Mais dans le fond, je sais que la plupart vous avez compris et que vous jouez juste à être les vous êtes juste des petits cons, donc c'est normal. Non, j'ai raté sa mère. Vous voulez juste faire les petits cons, tu vois. Et c'est normal. Vous dites, ah, cram, on peut le contester, on s'en bat les couilles. Ah, fils de pute, va. Ah, j'ai pas bien utilisé la poule, la poule d'Archimède. J'ai pas assez profité de l'inertie, my bad. En vrai, c'est une petite balade paisible. Hein. On se sent bien en poisson. Boulet d'Archimède, flop. Pas marrant, mec, ce que t'as dit. Genre, personne n'a rigolé. C'est nul à chier. J'aurai plus d'efforts pour la prochaine blague. De retour dans un bocal. Oh non, pas lui. Non, il y a des oiseaux. Non, non, oh non, pas celui-là, frère. Bah ouais, mécaniquement, je suis un peu rusty sur les. Non, pas ça, frère. Non. Je m'en souviens plus le truc des oiseaux. Moi, je m'en souviens plus. Hein. Je sais qu'ils vont me foncer dessus, mais rien à foutre. Bah merci, voilà. La vie, merci. Eh frère, je suis censé dodge comment? J'ai oublié, moi. Abuse, frère. Bien joué, Kram. Mais je crois que le prochain coup, ça brise. Hein. Fils de pute, va. Laisse-moi, non. Non, mais laisse-moi. Petit. Non, il me faut le checkpoint. Vos mères, les putes! Ok, bien joué, Kram. Quelle esquive. Non, je déteste les bocals. Les bocaux, pardon. Mais ce bocal. Non, ce jeu de merde quand t'es dans un bocal! C'est un enfer. Tu vois, on passe d'un jeu agréable. Un jeu où faut tryhard. Yes, voilà, dans une poubelle, là on joue, frère. Désolé, mais dans une poubelle, là on joue, mon gars. Là c'est un jeu. Pardon. Y'a un pot de tics dans le chat.
pousse la poubelle, Zama. Frère, tu te rends pas compte de la puissance d'un poisson. Wesh. Mais comment ça? Oh, le jeu là, il y a un bug. Oh, j'abuse, voilà j'abuse, voilà j'abuse. Ah non, je suis parti en couille là. Anto. Il est pas sorti le son d'ailleurs. Il devait pas sortir mercredi. Si, il est sorti, ok. Quel contrôle, frère. React le son. Mais il est sorti quand, mercredi du coup? Il est vraiment naze le son. Non mais j'avais entendu le leak sur Twitter. En toute honnêteté, en toute honnêteté, il puisse accrocher. Pas aller dans la dentelle là. Pas d'analyse, pas de rien. Ceci dit, respect, respect. Le Antoine Griezmann, le Upamecano, respect. Ils ont mis une hype sur le son. Frère, lui, il a une histoire sombre. Hein. Elle est bresson son histoire un peu. Hein. Frère, il est jamais dans la ville, il y a jamais de soleil. C'est le dernier à rejoindre ses potes. Il connaît pas le bonheur en fait. Ah! C'est un jeu d'horreur ou quoi, frère? Mais ça se voyait, elle était d'une autre couleur. Et apparaître. Elle est où la putain de ta mère? Après, en vrai, pour moi, il s'est fait trap VG Dream. Bon, après, c'est un trap qui le met bien aussi, tu vois. Mais s'il n'y a pas de victoire, fallait pas sortir le son. Même si les gens, ils demandaient de fou et tout. Après, ça lui fait des streams et tout. Donc, Non, vas-y! Vas-y, frère! Et crève, je m'en bats les couilles. Vous lui mettez 6? Vous lui mettez 6 sur 10 au son? En vrai, c'est une bonne note, ça. Six sur 100. Oh, t'es pas sympa. Non, c'est sur 10, ça va. Je
maîtrise quand même. Bon, ça on a capté, c'était pas une bonne planche. On trouvait une autre. Ouais, non, il est pas inaudible non plus, tu vois. Il est pas inaudible non plus. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il est audible, quoi. Du coup, faut revenir en arrière, parce que là, si je le touche, ça, ça tombe. Au moins que ça soit un fake. Jure, ça tombe pas. Les paroles à chier. Ah si, ça tombe, frère. Non mais après... comment dire, VG Dream, c'est pas le plus grand lyriciste... C'est pas le plus grand lyriciste de notre génération. Attends, je sais qu'il y a un son. Il est là pour ambiancer au calme, wesh. C'est celui-là, je crois. Si tu t'attendais à des bonnes paroles, tu t'es trompé, mon gars. Le son est lourd, ceci dit. Le son est incroyable. Mais on s'attendait pas. Mais les paroles, c'est pas non plus, tu vois. C'est pas nas non plus. Ah oui, ouais. Deux buts. Non, il est trop fort, non. Il faut respecter l'audace. Deux buts. On est ensemble, hein. Le nez ensemble, c'est comme mon t-shirt, wesh. Il est... il veut pas rendre l'arme. Il veut pas rendre l'âme. J'ai rendre l'arme. Wesh. Ah ouais, j'ai oublié, frère. Trop tard. Me faire enculer. Ça sert à rien. Voilà, voilà. Le mec, il m'a dit les paroles. Je crois que c'est un de ses sons les plus streamés en plus, hein. Merde, j'ai... Mais je voyais pas les épines. Il y a moyen que j'atteins l'eau. Non, impossible. J'atteins l'eau.
clair. Ah mais je suis trop con, putain FF. Je dois passer par là. Mais ça va trop vite. Je peux pas monter. Faut que j'aille plus doucement, faut que j'aille plus doucement. Hop. C'est où tu nous as ambiancé là? Ah mais on peut passer, il y en a un ici. Ah mais c'est ce que je voulais, le bonbon. Bah je suis obligé d'aller chercher le bonbon. J'ai pas vu, on avait un à gauche. Tu nous as ambiancé, mais tu fonces de bille. Pas une discothèque, va te faire voir. Avec sa mère le bonbon. Putain, voilà, il me déconcentre avec sa musique de merde. Pas de mettre de musique, frère. À deux bras, deux jambes, mais Spotify tout seul. Regardez, là, j'étais dans un truc difficile. Non, mais Miskin, lui, ils lui ont fait la pire carrière, hein. Non mais j'ai pas de son moi à vous mettre les gars. Va te faire enculer, tu t'es trompé. Je chante wesh, je chante. Je chante, je chante. On est sur iPhone. Ça va frère. Eh à ton âge, on n'avait même pas SMS illimité. Toi t'as un iPhone, t'as Twitch, t'as la Wi-Fi, t'as la 4G. Et là tu veux de la musique en plus d'un stream. Oh. C'est quoi le rapport? Bah les gens ils se contentent pas de ce qu'ils ont. C'est juste. Putain, elle va me pêcher. Bah ouais. Mais attends, je suis revenu à la maison là. Je suis revenu à la dar. Hein. Wesh, mon gars, t'as pas vu mes potes? Oh, 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 c'est le malin, tu vas voir. We got a live one? No, no! Well, this line doesn't break. On va casser la ligne. Oh, broke the line! Ah ouais, je t'ai baisé, moi. Attends, mais je dois me faire pêcher, je crois. Ah, je dois me faire pêcher, en fait. J'arrive. We got a live one. Je dois me faire pêcher là. This line doesn't break. C'est bon, elle va pas break, Paul. What a challenge! That was too easy! Fils de pute, j'ai que ça à foutre, moi! Oh! A bite! Allez crabe, je suis un peu. On fait un peu chier. Almost caught it.
Et là, on laisse. Actually, you're a bit of a fighter for such a small fish. A fancy one too. I reckon you'll be worth a few quid. Eh ouais. Let's put you in here. Let's go! 5 étoiles. Niveau 3. Non, au niveau 3, tu vas avoir plus que 4. C'est comme si c'était 5. Ouais, je suis dans une boîte de nuit. C'est la teuf. Ou pas mécano. Ouais, je l'avais pas vu. Boum. Non, c'est là-bas, frère. Bibi de Bondi. Non. Kiki de Bondi. Mais frère, je dois aller où, wesh? Moi, je les danse trop bien. Olive. Mais ça va pas, non! À l'aide! Oh! J'avais jamais le temps d'avoir la save. Vite, 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 cram! Vite, vite, non! Wesh, et Noël Le Graet, c'est le mec. C'est le mec bizarre.
c'était flop. Encore, y a pas d'autres musiques les gars. C'est juste parce qu'on était dans une boîte de nuit. C'est mytho, c'était drôle les gars. Mais quoi? Wesh, ils ont mis le paquet pour ce niveau, ils ont investi. Ah mais s'il y a pas d'eau, je vais mourir. Baby. Oh. Faut venir de là. C'est de là qu'il faut venir. Un autre son. Parle au ref. Mais non, il me doit des sous, lui. C'est lui-même, il sait déjà. Ok, mais... Y'a un problème dans mon calcul là. Les refs, ça dit quoi ici? Ah non, ok, ouais, voilà, faut le casser ça. Je pensais que c'est. Mais non, mais il est pas là. Ginox. Ah, attendez, je dois résoudre l'énigme là. Pour moi, c'était carré, hein. Tu vas de là-bas à là-bas. Chiap. Ah, il y a une trappe en bas, c'est peut-être ça, je pense pas en vrai. Vu qu'il n'y a pas d'eau. Je sais pas comment je la casse. Pour moi, c'est logique que ce soit là-bas, de toute façon, il y a. Juste, comment je vais dans l'eau? Il y a un truc qui rebondit avant, je crois. Merde, j'ai pas fait la bonne strat. Ah, attends, moi je peux voir. Ça là, ça rebondit là au sol, non? Mais je viens pas de là? Si, c'est sûr, c'est ça. Faut rebondir sur le truc au sol. J'ai flop. J'ai flop. Ah, je suis un monstre. Oh, j'ai cru que j'allais pas atteindre l'eau. Eh, ça y est, mon ref. Et c'est là. Oh, faut double jump. C'est incroyable ce jeu, frère. Wow! Bah non, mais je savais pas qu'il fallait pas. Fallait pas regonfler. Mais frère, j'ai bien joué et je suis pas récompensé. Ça m'énerve dans les jeux. T'es censé avoir le réflexe de. Merde, putain. FF. Donc moi je reset mon truc pour re-rebondir et ça marche pas. Il faut rebondir qu'une fois genre. On va voir, ça se trouve j'ai tort. Et ça se trouve, mais moi je pense que j'ai tort parce que c'est un jeu bien fait. Non. Oui. Je suis un monstre. Ah non, c'est mal fait. Très mal fait. Je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. Oh, après il y a de la farine dans son bureau. Au mec qui gère le club. Et des pâtes? Des crêpes? Du sucre et des diabétiques. Ah. Les gars, débat. Petite crêpe. Quoi, c'est pas là qu'il faut aller? Vous trouvez pas qu'à la télé? Oh, deux secondes, faut que je trouve où je dois aller déjà. Bof, on t'écoute.
Attends, mon ref. Dans le bureau? Ah, mais non, c'est là-bas, je suis con, je l'ai vu tout à l'heure. Que ce soit dans les pubs, ou même dans les émissions en général, ou dans les épisodes, etc. Il y a beaucoup, à n'importe quelle heure, hein, des fois à des 18h, à des 17h. En fait, je regardais plus la télé à un moment. Et depuis que j'ai mes lunettes, je suis retombé vers la télé. Et je regarde un peu de temps en temps. Rarement, mais de temps en temps, tu vois. Des fois, il y a un truc, je passe. Surtout, moi, je regarde que le foot, tu vois, à la télé. Mais dans les pubs et tout, vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de trucs liés au sexe par rapport à avant? Genre des pubs où c'est abusé, des épisodes de séries où c'est abusé. Mais le truc, c'est que c'est à n'importe quelle heure. À 18h, il peut avoir une pub. Tu pètes ton crâne. Tu vois, c'est pas... C'est camouflé, hein. C'est camouflé. Mais moi, je repensais, mais j'étais en mode... Quand j'étais petit et qu'il y avait des gens qui s'embrassaient à la télé, instinctivement, je couvrais mes yeux, tu vois. Parce que mes parents... c'est ce qu'ils nous avaient inculqué, tu vois. Ils avaient dit faire merde. Attends. Abuse. À la vie de ma mère, c'est vrai, wesh. Non, je parle réellement. T'abuses. Non, arrêtez, hein. Arrêtez tout le temps le mot t'abuse. Arrêtez, j'en peux plus, frère. Ah, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je peux pas faire une phrase normale sans qu'on me dise t'abuses, wesh. C'est juste vous, c'était différent. Mais vous, c'était différent. Et c'est tout, frère. Frère, moi, par réflexe. Carrément, même des fois, dès qu'il y a un truc à la télé, je change. Genre, il y a une pub où il y a des personnes dénudées, des trucs, je change direct. C'est un truc qui s'est resté encore dans mon cerveau, tu vois. Parce que pour moi, petit, c'était une faute grave de regarder, tu vois. Merde. Je suis pas concentré. My bad, j'aurais pas dû faire un débat à 23h. Après, je vais attendre 2h du mat. Mais en fait, je sais pas... Si par rapport à avant, c'est le même taux ou s'il y en a beaucoup plus. En fait, moi, ce qui me choque, c'est l'heure à laquelle ça passe, tu vois. Putain, je troll, frère, je troll. Beaucoup plus. On est d'accord. Non, mais il y en a qui s'en battent les couilles parce que... Bon, attendez, il faut que je me concentre. Maintenant, tu le remarques plus qu'avant. Peut-être que je le remarque plus qu'avant. Mais je le sens que, vas-y, c'est bizarre un peu. C'est juste agrandi. Non, peut-être qu'en fait, je le remarque plus, tu vois. Après aussi, le fait que je regarde... Ça fait longtemps que je regarde plus la télé. Du coup, dès que je tombe devant... Bah, j'ai beaucoup plus d'analyse sur ce que je regarde. Enfin, sur ce que je vois, sur ce que je regarde pas... Pour le foot. Mais où est le mal? Bah, je sais pas, pour moi, c'est pas... Après, chacun a sa vision des choses, tu vois. Chacun a sa vision des choses. Mais la télé, c'est un endroit accessible pour les types, tu vois, pour les petits. Vraiment pour les petits, petits, tu vois. Et le fait qu'ils aient accès à ce genre de trucs, tu vois. Même maintenant, les petits, ils ont des téléphones, ils ont des trucs. Je sais pas, pour moi, c'est pas sain, quoi. Ils ont des téléphones, ils ont des applications, des TikTok, des trucs qui se passent. Non, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'à la save, j'aurai le temps. Ben oui, j'aurai le temps. Et voilà comment on a dit. La musique elle est incroyable. Mais tu parles de quel âge? Mais en fait n'importe quel âge peut tomber sur ça. Les petits de n'importe quel âge. Frère, tu mets, je sais pas moi, les chaînes principales de la télé. Tu mets les chaînes principales. Non, attention, ils vont faire tomber ce matin. Tu mets les chaînes principales de la télé.
à des heures de sortie d'école. Ah ! Et oh, t'as pas du porno, hein, loin de là, attention. Mais t'as des gens dénudés dans des pubs, etc. Pas complètement, attention. Après moi aussi, c'est parce que... Tu vois, on a peut-être pas le même rapport, mais moi, genre vraiment... Il y avait un bisou à la télé, je cachais mes yeux, tu vois. Non, là, faut que j'attende qu'il fasse un step back, là. Ouais, le timing, il est tight. Ah, je passais là, non? Non, mais je crois pas que ce soit là-bas qu'il faut aller là-bas. Je me concentre là, je sais pas, je dois aller où. Fils de pute. Fils de pute. Il y avait du porno à la télé à l'époque dans la nuit. Ouais, mes frères. Excuse-moi, t'es pas censé te retrouver à 3h du matin quand t'as 8 ans devant la télé la nuit, quoi, tu vois. Ça dépend, tu vois, mais en tout cas, t'es pas censé, tu vois. Y en a, ils s'y connaissent dans le chat. Hein. Il est bien renseigné, lui. En vrai, non, ouais, c'est là le passage. Je me demande, ça faisait combien de viewers? Le code parental qui carry. C'est vrai qu'après tu peux. Mais en vrai, quand t'es le code parental, t'arrives vite à. Je sais pas maintenant à quel point c'est fort, tu vois. Mais quand t'es petit, t'arrives vite à. Putain, frère. J'allais plus doucement. J'ai cramé tout seul. De quoi tu parles? En vrai, c'est trop dur avec ça. En poisson, ça va, mais... Faut que j'aille plus doucement. Je peux pas trop aller trop vite. Je vais pas changer de direction rapidement, tu vois. Did you put in that pint? What the fuck, mate? La dinguerie, c'est le jeu de l'année. Oh, comment ils bombardent, quoi? Excuse me. Il y a des gens qui ont mistrait le jeu de l'année, hein. Where are the toilets?
Ah merde, il devait aller aux toilettes. Vas-y frère, oh. Il bouscule tout le monde, sa grand-mère. Je vais vomir. Where are the toilets? Toilets need to t'es trop fort, il marche à l'envers. Find toilets. Où c'est ta mère, wesh? Tu le contrôles, je crois. Non, sérieux? Toilets need to je peux pas passer en fait. C'était find exprès. Toilets. Je dois refaire tout le tour en fait. Toilets need to find toilets. Putain. Sorry. Toilets need to find toilets. Ah, je peux pas aller là-bas. Je dis, il y a peut-être un cheat code. T'inquiète, ça va bien se passer, mon ref. Quoi? Quoi? Il a vomi, Zarma. Hang on, wait. Let me try another nag. We're in the queue for the toilet, mate. Sod off. Sod off. Chug, chug, chug. I'm not feeling great. Ça va faire tout le tour. Mais ta grand-mère! Mais je peux pas sortir sur des estomacs comme ça! Foutez de ma gueule, ça n'a aucun sens! Je sais que c'est derrière, mais je peux pas passer, je dois refaire tout le tour. Hang on, wait. Let me try another nag. Arrête, y'a tout le monde qui bloque. We're in the queue for the toilet, mate. Sod off! Sod off? Chug! I think something else was in that pipe. Greg, try and handle your drink. Where are the toilets? Allez, relève-toi. Excuse me. Pousse-toi, fils de pute! Mais il est malade, il est en train de l'agresser! Oh. Where are the toilets? Putain, mais comment je vais passer la piste de danse? Ça m'a l'air impossible. Ah, toilets need. Ah, mais faut faire le big tour de baiser. Toilets. Pousse-toi, je vais te baiser. Toilets. Ah, je vais bientôt vous sortir là. Excuse me. Where are ah, je pense pas que ça soit ça. Hein. Toilets. Toilets. Need to find mais je toilets. Mais c'est mon crâne, il veut pas marcher normalement. Toilets. Need to find toilets. Jamais réussir à passer ici. Toilets need to find toilets. Where are the toilets?
J'en peux plus. Where are the toilets? Oui, Cram. Where Cram. Are the toilets? Toilets. This is it. Oh, je pisse pas là, ouais. Pas là, frère, pas juste là. Il pouvait tenir un peu. Hang on, wait. Let me try another leg. We're in the queue for the toilet, mate. Sod off. Chad. Hey! Oh, no. Oh, I shouldn't have done that. What's the matter, Greg? Can't handle your drink. Je passe les deux. Non, fils de pute. Ok, c'est bon. Sorry. Speedrun. Moi, demain à 23h. Ouais, je suis mort. Fine. Toilets. Excuse me. Ouais, ça monte plus vite que d'habitude là. Hein. Toilets. Need. Non mais je suis obligé de faire le tour. Fine. Toilets. Non, s'il te plaît, pourquoi tu me pousses, voilà. 23h. Non mais parce que demain il va faire la fête, c'est pour ça il a dit ça. Toilets. Need. Fine toilets. Sorry, looking for toilets. Hey, tiens bon, mon ref. On est juste là, on y est, mon ref. On y est, mon ref. Tu vas pas vomir, tu t'as pas envie de vomir. Mais avance. Sorry. Looking for toilets. Avance. Il va aller où là? Là? Have to do. Un peu de pisse là. On va atterrir où les gars? Les amis, je peux pas vous donner d'indice. Mais soyez à l'affût demain matin. Ça me concerne pas moi. Merde. C'est la map d'Eversax là? Comme ça, j'ai rien dit. Hein. On a gagné. Let's go. On est dans la mer. OMG. Présabuse, ils s'ennuient à 4, frère. Mais ils pensent à leurs potes. Je suis là. Thank you.
Non. Et bande de fils de pute, ça y est, vous aussi, vous forcez, frère. Ah, vous forcez, frère. Non, mais les gars, ils forcent, ils doivent se libérer d'eux-mêmes. Ça y est, j'ai donné pour eux. Ah, ça va durer 4h30, j'en peux plus. Et voilà. On est de retour au Dubai Mall. C'est pas le mec qui est mort, lui? Lui, il a plus de... lui, il a pas de pouvoir, lui, non? Pas de pouvoir. On va observer. Non, ça n'a rien à voir. Alors là, je suis largué. Il a pas de pouvoir, lui. En tout cas, je sais plus c'est quoi son pouvoir. Ah, je vais niquer l'ordinateur là. T'es pas de ma gueule au bout d'un moment, frère. Donne des indices, la putain de vos mères. Ça y est, frère, faites des énigmes, c'est un jeu de poiscaille de merde. Y'a rien, le tuyau, c'est pas le tuyau. Donc il me choisit, c'est peut-être que je bouge plus devant lui. Il y en a, ils parlent trop mal dans le chat. Si je vois ce que vous écrivez. Il y en a, ils parlent trop mal dans le chat. Quand je vais trouver, après, je vais lancer la rediff, je vais vous faire ma ban, vos grand-mères, les raids d'échelle, vous allez voir. Il y en a, ils parlent trop mal. Mes frères, je peux pas prendre autant d'élan. Pas pour ça, c'est pas le tuyau, wesh. Il envoie de l'eau. Mais je vois pas d'autre chose que le tuyau, en fait. Je vois pas d'autre chose que le tuyau. Peut-être que... Après, non, si je pète la lumière, ça va nous tuer, mais je sais pas si je peux péter la lumière.
pas la lumière. Ah, j'abandonne. Il y a un truc jaune là. Je sais pas ce que c'est. Mais en fait, je pense que c'est en attendant la suite. Je pense que c'est en attendant la suite. Ils ont mis un aquarium comme as. En mode amusez-vous. Si c'est pas là. Y'a rien, y'a rien. Je pense que ma ROM elle était buggée. Oh, il a l'air tellement con lui. Ah, c'est pas, je disais pas ça, je vois pas d'autre chose en fait. Sinon faut juste réussir le saut mais. Ah ouais bah oui mais frère, guette le saut qu'il faut faire aussi. Guette le saut qu'il faut faire. Ah et là faut que je trouve tous mes potes. Mais il y a des mecs qui écrivent enfin un bande de fils de pute de merde. Oh, les mecs qui me disent ils le voient pas alors que je tente le saut depuis tout à l'heure. Je suis obligé de les insulter. C'est pas une question d'être bête ou de pas bête. Parce que quand je fais ça, je me dis le saut il marche pas parce que d'habitude, dès que tu rentres dans un truc, le jeu il t'assiste. Pas une question de savoir ou pas savoir, on dirait que vous êtes des génies. Vas-y, vas-y, frère, je viens pas parler. Les mecs sont trop nuls. Bon, on va pas s'énerver. C'est mes fers. Je viens de la gauche, on va à droite. Non, on peut repartir à droite, je crois. Après, à droite, je crois que c'est le truc de base. Il me semble que c'est le premier où il y a. Ouais, c'est le premier, ok. Donc là, faut juste que je prenne à droite directement. C'est le même où je suis allé. Le problème c'est que j'ai un sens de l'orientation, il est pourri frère. À droite. Là je vais encore à droite. Je vais à gauche. Là ça va m'emmener à la barrière non? Là-bas. Putain. Allez, revive. Revive, revive. Putain, putain. Faire 2 ans. Le problème, c'est qu'il va falloir faire ça avec tous les poissons. Mais je l'ai déjà sauvé une fois, frère. Je suis devenu invincible ou c'est comment? Oh non, pas ça. Je refuse. Ah là, ils ont forcé, on était contents, frère. Là, ils ont forcé, là. Tu vois, j'avais un bon instinct de pas finir le jeu. A chaque fois, c'est pour les bonnes raisons. Putain, merde, ce jeu, c'est prêt, ça l'allume, frère. J'ai aucun doute là-dessus. Non, frère, tu veux pas me faire galérer pendant 6 heures
sur chaque personnage. Pour une fois qu'ils sont libérés, ils se refont attraper en 5 secondes. J'ai même plus envie de les sauver. J'ai même plus envie de les sauver, moi. Lui, il fait pas partie de la team, lui. En vrai, depuis le début, je dis que ce jeu allume Stray. Mais... je vais le pousser, je vais le pousser. En fait, je peux le sauver là-bas, il y a des... tu vois, là-bas, il y a de l'eau, là-bas. Bien sûr, je vais le pousser, frère. Lui, il est là, il est pépère, dans un bocal rond. Avance, rebeu. Ah, y'a pas d'eau dedans. Désolé, mon gars. Frère, il a un bocal, lui aussi peut avancer. Hein. Je pensais. Pas sauver tout le monde, chef. Comment c'est technique. Non. Pourquoi j'ai grid, frère? C'est trop dur, je le sais. Je le sais que c'est trop dur. Attends, je peux peut-être gratter la save là. Plus vite, ta grand-mère. Plus vite. Je suis là, donne la save, je suis là, frère. Comme si j'étais dans l'eau, non? Ah, ça m'a remis là, Zama. Vas-y, FF. Non, mais abuse. Bah. Ah, ils m'ont trop vénère avec leur mode de jeu final. Ah, ils m'ont trop énervé. Eh ouais, j'ai grid moi aussi. Ah, je grid. Moi, j'ai one tap la lampe. Ah, le clavier de mort! Allez, crabe. Un dernier effort et après on quitte ce jeu à jamais. Des gens m'ont littéralement harcelé pour que je finisse ce jeu. Qui? 90% du chat. Pas les étonner en mode kiff. En fait, ils auraient dû mettre un checkpoint là, à l'entrée. Comme ça, au moins, tu peux tenter d'aller vite et tout. Là, si tu meurs, ta vie, elle est finie. Y a plus rien à faire. Ça met 3 heures pour revenir ici. Je crois que t'es obligé de jouer comme ça, là. Et comme ça, on s'amuse pas. Vas-y. Mais j'ai que ça à foutre, moi. Mais c'est GTA, là. Faut aller où?
au bac d'après. Pourquoi ils ont pas fait un jeu en coop, frère? Ok, maintenant ça tue quoi? Mais c'est une dinguerie, par contre, ils sont vraiment forts les devs. Hein. C'est un jeu de fou, no joke. Hein. Mais genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Mais là, ah ouais, avec les 4 poissons, je vais avoir envie de crever. J'étais au bon endroit. Mais frère, c'est le même endroit que l'autre endroit. Ça n'a pas de sens, développer des trucs, non? Pourquoi il fait demi-tour? Bah parce que c'était le même endroit. Bah si, c'est le même endroit, wesh. Même endroit, frère. Il n'y a pas un sahab à nous ici, là. On vient de lui tenir la porte, non? La porte. Mais faire. Non, mais il peut sortir par là, cet abruti. Ah non. Ah. Bon, par contre, je pense vraiment que ce jeu allume Stray. Hein. Je sais pas quand je joue à Stray. Il faudrait que je joue à Stray, ça. En plus, j'ai des chats. Je connais exactement leur comportement juste pour voir si c'est bien fait ou pas. Ok. Non, on va arracher la porte là-bas. Voilà, un bonhomme. Non, ce qu'on joue à Stray. J'ai vu beaucoup de critiques sur ce jeu. Ok, on a le poisson piranha maintenant avec nous. C'est un enfer. Frère, vas-y frère, ça y est, il est partout lui. Merde, je l'ai mis dessus. On avance.
C'est un piranha, wesh, logique les gars, c'est normal qu'il arrache ça. Il nous manque juste notre dernier pote. Quoi? Et là ce bâtard, avance frère. Là, je dois les aider. Putain, mais il doit tout faire lui. Non. Déjà il est doucement, mais vas-y, on aime bien la vitesse nous. On aime bien la vitesse nous. Lui peut s'en sortir tout seul. Et on y va, on avance. Là maintenant. On doit aller les chercher d'une manière ou d'une autre. Ça m'a l'air d'être ouvert en haut. Merde. Putain, vas-y, sors-toi tout seul, frère. Comment il l'a fait? Ah non, c'est mes... Ah oui. Là, je crame. Ce que je suis en train de faire pour sauver les poissons. On doit monter là-bas. Non. Ils ne veulent pas pousser à 3. Hein. Là, il y a des trucs pour ouvrir à gauche. Le problème c'est que si je... Ouais. Je capte hein mais... Je vois rien d'autre à faire de toute façon. En fait c'est dommage que les deux autres ils poussent pas. Là si les deux autres ils poussent... Il y a un monde, il se passe quelque chose. Le problème c'est qu'il y a le tuyau devant les trucs à ouvrir. Je stack un peu de vitesse. Ah non. C'est là-bas, là où il y a la porte de sortie en dessous. Le dev il aurait mis une lumière bizarre ici. C'est ta mère toi. Y'a rien à faire ici. Y'a rien à faire ici. Ah, pour moi c'est logique que c'est ici pourtant. En fait, ce qui me casse les couilles, c'est... Je crois qu'en fait, j'ai capté, faut que j'ouvre ça avec le gros poisson. Et après, ça va libérer de l'eau de baiser dans le... Ah, mais elle est là-bas, le truc de save. Ouais, c'est là, c'est bon.
Non. Ça m'a remis là. FF, je peux pas jouer. FF. Ah, vas-y. Jeu de merde, jeu de merde. C'est un jeu de merde. Ah, bah c'était là en fait. C'était là, je viens de le voir. Au moins, je viens de le voir. Commence à bouger, toi aussi. Lui, il a pas de pouvoir, il sert à rien ce bâtard. Allez, allez, s'il te plaît, j'ai la flemme de reprendre l'élan. Calme, on va prendre l'élan, t'énerve pas. Calme. Ah oui, bah nique ta mère la pute, voilà. Oh non. Non, j'ai troll. Non, il faut recommencer depuis le début. Non, mais oui, mais il m'a énervé, frère. Pas besoin de s'énerver, crame. Pas besoin de s'énerver. Tu vois, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, crame, c'est pas grave. It's gonna be okay. On a la suite, on sait ce qu'il faut faire après. Tiens, on va le mettre en longueur, comme ça on a... On va le cadrer, voilà. Non, le problème c'est qu'ils me poussent ces bâtards. Poussez vos grand-mères, poussez-vous. Bon, tous les points d'interrogation, c'est bien ma bite, hein. Mais frère, hello. Mais où est l'eau? Où est l'eau? Mais où est l'eau? Mais où est l'eau, frère? Mais non, mais normalement, il y a de l'eau direct dans le jeu. Mais tous les points d'interrogation, c'est bien ma bite, bande d'abrutis. Vous êtes des abrutis, c'est ce que vous êtes, voilà. Vous vouliez vous foutre de ma gueule? En mode, mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Eh bah, c'est vous, les abrutis. Voilà, voilà. Ça, et ça, ça me rend heureux. Et ça, ça me rend heureux. Et tous les mecs qui tombent en mode, oh, bah. C'est les mêmes mecs qui spammaient tout à l'heure. Ah, mais ils le voient pas. Ils savaient même pas ce que c'était, ces abrutis. Voilà, vous êtes des abrutis, c'est tout. C'est tout ce que vous êtes. Et vous le savez. Vous le savez, là, derrière votre écran, que j'ai raison. Vous le savez, vous le savez. Vous avez voulu me vanner en mode, c'est un con, il comprend rien et tout. Mais ça s'est retourné contre vous, bande d'abrutis. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Montrez-moi des points d'interrogation. S'il te plaît, s'il te plaît, rate pas ce shoot. C'est pas normal, mais je suis complètement normal.
Les mecs te prennent pour un con alors que c'est eux les cons. Je m'énerve. Bah normal, c'est logique, c'est normal. Non ! Fils de pute, va. Ah. Mais c'est une dinguerie. Normalement, tout à l'heure, quand je l'ai cassé. Non, là, tu vois, c'est mérité que je meure. Mais quand je l'ai cassé tout à l'heure, quand tu le casses, normalement, il y a de l'eau instant dans la pièce. En fait, t'es censé retomber dedans. Mais pour retomber dedans, c'est bonne chance. Je suis même pas sûr de réussir. Pourquoi je travaille d'un jeu de poisson de merde? Pousse-toi, fils de pute, pousse-toi! Ah, vas-y, il me nique ma vie. Tu vois pas que je suis en train d'essayer de s'en sortir là? Ah, je suis trop énervé. C'est un jeu de merde. Pourquoi je me suis dit que j'allais le finir dans le temps additionnel? Pourquoi? Voilà pourquoi je voulais pas le finir, ce jeu de merde. Et même quand j'ai cru que je l'avais fini, c'était pas assez. Pas trop tôt. Il y a un autre tuyau explosé. Ah ouais, il est là-bas. Je sais pas si je peux réussir ce saut. Hein. J'ai pas besoin du truc là. J'ai mis quelque chose. Moi, je pense jamais je le réussis. Hein. En toute modestie, je ne pense jamais réussir ça. D'accord, t'as du talent. T'as du talent. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça te dirait pas de rejoindre les autres, toi? Mais c'est normal, c'est pas de nager vers le haut, c'est un poisson! Personne pour t'aider, mon gars. On va aller chercher le checkpoint, je vais pas te mentir. Ah non, il faut que j'aille le chercher. Je suis obligé d'aller le chercher. Ah, je suis obligé de revenir le chercher, j'ai envie de crever, frère. Putain, je suis obligé d'aller le chercher, j'ai envie de mourir. Ah, je pourrais faire un saut, mais ça serait pas. J'ai la peine d'aller chercher. En fait, je sais ce qu'il faut faire. Frère. Revenir avec le mec qui mâche. Ah, ok, je peux peut-être bloquer avec ça, tout seul.
Je pensais que je devais bloquer avec les cercles. Ça là, les trucs à l'intérieur. Mais je crois que j'ai quand même. Ah mais non, je peux pas. Je suis obligé de revenir avec le cercle. Chercher une alternative de la new school pour éviter de faire le chemin retour. C'est pas ça. Je crois qu'une dernière fois, non. En vrai, j'ai pas de chance parce que j'aurais pu glitch le jeu, du coup, vu que c'est pas ça. J'aurais pu glitch le jeu. Je sais ce que c'est. J'aurais pu glitch le jeu et le bloquer avec la roue et le faire rejoindre les autres. Après, dans tous les cas, on est bloqué là-bas, donc il faut venir d'un autre endroit. C'est à lui de venir tout seul. On va découvrir comment. On va revenir ici. Ah mais lui il doit solo win l'équipe frère. On va réfléchir. Ah c'est avec la caisse que je passe là-bas maintenant. Il y a un bâton aussi. Il n'y a rien à voir là-dedans. Non, il n'y a rien à voir là-dedans. Peut-être avec la caisse passée au milieu. Mais vas-y frère, c'est des meilleures énigmes que Zelda Breath of the Wild. Je peux hop. Tout à l'heure, je pouvais rouler un peu quand même. Donc comme ça, il va pas rouler. Je voulais pas grid, je voulais juste observer s'il y avait pas un truc rapide. Mais j'ai pas eu le temps de bien regarder. Et ici c'est quoi ce chemin? Ah mais j'aurais dû ouvrir. Merde. Il y a deux chemins en fait. Y'a rien à faire hein. On est obligé d'aller voir hein. Putain, je suis trop con. Je pensais en fait ça menait au même endroit. Le problème c'est que je cherche toujours le plus compliqué avant le plus simple. C'est trop de m'embourber le crâne alors que...
Pour les gens bêtes, ces jeux. Je reviens à la team. Et toi, tu sers à rien de toute façon. Dans ce chemin là. En fait, on doit le sauver de là-bas. Faut que j'aille voir ce qui s'est passé là-bas. C'est que le chemin il est tellement long et là ils veulent pas grimper ces bâtards. Des gauches droites. Là maintenant il est vert. Il met de l'eau. Du coup on peut passer par en haut. C'est quoi ça, ta grand-mère, c'est quoi ça? Rien n'a changé. Frère, je vais péter mon crâne. Non, mais dis pas ça. L'autre, il peut toujours pas les rejoindre, du coup. Tant que je débloque pas un truc. Ça, ça a rien apporté à l'affaire, là, cette histoire de merde. Ça m'a rien apporté, moi. Bon, il raconte quoi ici? Il n'y a pas des nouveaux trucs. Il va y avoir des nouveaux trucs. En vrai, ça n'a pas augmenté le level de l'eau. Ah si? Non, non, non. C'était comme à cette heure. Hein. Peut-être là-dedans, ça a changé un truc. Rien du tout. Lui, je pense qu'il a fait son job, le poteau. Dedans. Non, je peux pas rentrer dans ça. C'est juste ça va augmenter le level de l'eau. Ok, mais ça change quoi? Mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. Là, il y a le tuyau, mais je peux pas rentrer dedans. Hein. Comment voir dessus? Non, je peux pas y aller tout seul. C'est ça qui me brise les couilles en fait. Ah, je vais péter mon crâne. Dites-vous, il nous manque un poisson encore, c'est-à-dire il reste tellement d'énigmes. Bon, qu'on soit méthodique. Je me dis, il y a moyen que je gratte un bail. Non, mais je peux pas passer ici, ça va.
Là, le problème, c'est que je dois... En fait, le problème, c'est qu'ils se suivent. Parce que pour moi, ma logique, c'est de déposer le orange ici. Là, le problème, c'est que lui, il va me suivre. Je crois que ça va. Dans tous les cas, ça a rien changé. En fait, je m'en souviens, il y a plusieurs levels de... Il y a plusieurs levels dans les tuyaux. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué le Piranha, je peux pas m'en souvenir. Et c'est peut-être pas ça, ça, je sais pas. Dans tous les cas, il y a rien à faire là-bas, donc on va jouer à 3. Hein. Ah, je crois qu'il y avait un bug, mais c'est un bug... C'est un bug visuel. Comment je peux réactiver? Je pense en fait je peux réactiver le bordel là-bas. À moins que, attends. On va faire un bail comme As, viens là. C'est ta vie là-bas. Si c'était ça le bail. Si c'était ça le bail, j'étais vraiment. C'est vraiment haut level quand même. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a encore un truc à tourner. Là, lui, je vais l'emmener là-bas. Commence pas à bouger, toi. On bouge pas normalement. Ok, lui il passe. Et là on peut revenir ici. Ah les gars, il fallait le voir. Bon, je sais que j'ai l'air d'un abruti, mais la vie de ma mère, il fallait le voir quand même. Non, c'est wesh. Ah non, non, non. C'est de l'énigme, hein. C'est de l'énigme, hein, franchement. Franchement, il fallait le voir. Ouais, c'était dur de fou, frère. Non, pas lui, frère. Ça va. J'ai bien joué. Ok. Merde. Non, on va ouvrir à l'autre. Allez, je vais lâcher ça, comme ça il va nous rejoindre. Poisson de merde, si vous vous faites attraper encore, je vais péter mon crâne, moi. Abusé du bail, là. Ah, le problème, c'est qu'il me faut lui, là. Il me montre rien du tout, tout seul. Perdu, il y a trop de trucs là.
Merde, 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 y'a pas d'eau. Bah ouais, moi je... Bah non, mais... Bah non, mais je pensais que c'était ouvert, moi. Je pensais que c'était ouvert, mon gars. Perdu là, il y a trop de tuyaux, il y a trop de trucs. C'est la chance du débutant tout à l'heure. Putain de merde, j'en peux plus. Ah, laisse-moi tranquille, mon gars. Non, on va ouvrir, c'est sûr, c'est certain, c'est sérieux. Sur ça, on est d'accord. S'il te plaît. Là, on est enfermé. Ici, on est enfermé. On va réfléchir, on va explorer les environs déjà. Là, on a besoin du poisson bulle. On en a besoin. Ça là, je peux pas l'ouvrir tout seul. Depuis, tu peux l'ouvrir tout seul. Ah, mais ça a pas de sens, frère. Le mec qui pousse la fonte, c'est pas lui. Mais je crois pas que ça soit fait comme ça, hein, parce que normalement... Si, si, c'est fait pour ça. Mais ça m'a un peu baisé mes sens. C'est fait pour ça, mais... Ça m'a un peu baisé mes sens, parce que... C'est pas... J'ouvre la fonte... Attends, merde, faut l'aider. Ah, force à lui, frère. On va voir ce qu'il y a là-bas. Je pense que c'est censé finir vite le jeu. Je crois qu'avec le poisson orange, on levait déjà des trappes comme ça dans le passé. Mais je m'en souvenais plus. Ah, de toute façon, j'ai ma sauvegarde. Mais lui, il est censé s'en sortir comment? Ça emmène où, ça? En tous les cas, j'ai la save, je m'en branle. Mais je veux juste voir comment je suis censé le sauver. Ah non, ça ramène au truc d'avant. Attends, je vais le remettre à sa place. Parce qu'ils sont pas cons, les mecs qui ont fait ce jeu. Le but, c'est que les quatre s'en sortent. Ils sont pas cons, les mecs qui ont fait ce jeu. Ils sont pas cons. Les gars, je peux passer d'en bas? D'en haut? Bah, je m'en bats les couilles de toute façon, il y a la salle. Ah oui, ils sont pas cons. Moi, je vais pas l'abandonner, moi, j'en ai rien à foutre. J'aurais pu juste relancer la save et il serait avec les autres.
J'aurais pu relancer la save, il sera avec les autres. Mais ça voudrait dire que je l'aurais abandonné, je l'abandonne pas moi. Allez. Allez, dis-moi qu'on y est là, dis-moi qu'on y est. Putain, c'est immense les problèmes. En vrai, ils se sentent pas bien ici, frère. Ils voulaient juste rester ensemble à la base. Maintenant, ça fait des mecs. Ça fait une mallette ici. Non. On est où? C'est tellement grand, frère, faut trouver. Oh, save furniture. Quoi? Pas de trucs comme ça, ils m'ont eu. J'ai eu tellement peur, frère. Avec lui. Sur la baleine, là, il y a un biscuit. Il y a un biscuit, mais ça me sert à rien. On bat les couilles du biscuit, moi. Déjà, c'est sûr que c'est lui. Il n'y a rien en bas. Faut juste savoir où aller, là. Nous, on vient de là, c'est notre tuyau. Faut juste trouver un bocal, un truc quelque part. Hein. Je pense qu'on va devoir tout casser. Hein. Après, aller vers le biscuit, ça pourrait me mettre. Putain, je vais juste sortir. Ah, mais je peux même pas sortir. Là. Ah. En dessous, là, j'ai vu une trappe, je crois. Ouais, ok. Je l'avais pas vu. Ah, j'ai vu trop loin, moi. J'ai vu trop loin, je suis un sgeg, faut pas regarder trop loin. C'est... Wesh. En fait, ils échangent entre énigmes faciles et truc difficile. Ça veut dire d'un truc à l'autre, tu commences à penser. Mais attends, mais faut que je saute là-bas sur la baleine, que je casse tout. Et après, ça libère tous les poissons. Et après, il y a de l'eau partout et on commence un nouveau truc. Alors qu'il n'y avait rien. Bon. De retour ici, sa grand-mère. Pas qu'on commence à en avoir marre, hein, mais. Ah, par contre, le jeu est exceptionnel. Hein. En plus, tu peux faire du speedrun dessus. Tu peux faire tu peux tout faire dessus. Par contre, lui, c'est une dinguerie, wesh. Non. Pas grave. Putain, frère. Ah mais c'est bon. Merde, j'ai trop. Par contre, c'est bien, mais... Allez, dans les seaux, là. Non, les seaux, ils sont fermés. C'est lui et il doit faire un saut.
Hop. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Je suis con, c'est lui, frère. Ah, mais je vous jure, avant, je le maîtrisais de ouf. Mais maintenant, c'est fini, frère. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué. Il est technique à jouer. Eh ben. Putain. Je dois aller quelque part, mais où? Voilà. Dans le robinet? Ça me casse les couilles parce que lui, il faut le jouer pour être bon dessus, frère. Sinon, il est dur à bien contrôler. Genre, des fois, tu dois faire des trucs de fou avec. Et quand tu dois faire des trucs de fou avec, bah ouais, j'avais joué avec. Faut que je sache quoi faire déjà. Non, mes frères, je veux juste regarder, wesh. J'ai pas touché les directions. En vrai, je sais pas. Hein. En vrai, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée là. J'ai pas assez de speed, frère. Merde la pute, devant. Déjà, c'est sûr, c'est le poisson volant. Mais frère, d'habitude, il me donnait plus d'angle que ça. Là, il me donne un tout petit angle. Je réapprenne à le jouer. Non, j'ai pas d'angle. Prends deux secondes. Le robinet, il est vers la droite déjà, non? Forcément avec lui et je... Non putain, FF. C'est forcément avec lui et je dois appuyer sur le robinet, mais... Le problème, c'est que le saut, il est vraiment dur. Avec le poisson volant, là, frère, je te jure. Et ça fait 6 mois, je l'ai pas joué, ouais, ce jeu de merde. Il est pas facile, en vrai. C'est mon ban, là. Là, c'est mérité, j'espère que c'est des permaban, en plus. C'est mon seul rêve, c'est que c'est des permaban. Ok, oui, parfait. J'aurais chié aller toute votre vie, je ne ferai pas des bannes, je vous le dis, moi. On va tenter le saut d'ici. Les Végérim pouvaient tout arranger. Non, c'est les fils de pute de forceur qui voulaient que je joue à ce jeu de merde, alors qu'ils en ont rien à foutre de regarder ça.
C'est vous, frère. Mais pousse ta mère. Pousse-la, ta mère, la pute. Pousse-la, frère. Tu vois pas, on essaie de s'en sortir, là. Il a plus de speed. J'ai pas vu le robinet. Je sais pas où il est. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de robinet là-bas. C'est autre chose. Peut-être celui-là là-bas, mais non, je pense pas. Tout là-haut, il y a un biscuit, mais c'est un biscuit pour tout à l'heure. Sa mère, toi. Là, je meurs pas, hein. Ça doit être celui-là là-bas. Dessus là là-bas, je vois rien d'autre, il y a que ça. S'il vous plaît, poussez-vous de la sortie, c'est tout ce que je vous demande. C'est là. En fait, ça c'est pour le plus, c'est pour plus tard. Ces fils de pute, ils nous ont fait ouvrir ici pour rien. Dinguerie de faire ça. Ok. Attends, ça en face. Maintenant, ça doit être là-bas, je pense. Il y a de l'eau là-bas. Non. Non. Faut faire toute la map. Il n'y a pas de checkpoint. Ah, vraiment. Une fois que j'ai repris mon level sur ce truc là, après c'est bon. Je dirais que c'est... Je peux aller direct sur la fin. Il est dur celui qui arrive là. Je grid ou pas? Oh que oui, je grid. Oh que oui, je grid. Oh que oui, je grid. Il faut aller là-bas. Bah, là, en vrai, tu dois d'abord aller dans le truc jaune, puis aller là-bas. Mais moi, je peux y aller direct. Mais attends, je crois que j'ai niqué le jeu parce que là c'est censé être l'autre poisson qui... Normalement là il y a l'autre poisson qui est là et qui mord le truc pour qu'on monte. Du coup là je dois aller sauver les autres poissons. T'as dit quoi ici? Je dois descendre du coup, aller chercher la save. Faire attention au carton, sinon je vais me retourner. Quoi?
Pourquoi la save elle est en haut maintenant? J'y avais pas accès d'en haut à cet endroit. Là faut juste que j'aille les chercher avec ça, mais je voulais juste savoir pourquoi il y a une... En fait la save elle reset, ok. Et les autres. Mais t'es un abruti ou quoi? Je voulais juste voir pourquoi il y avait une deuxième save ici. Quoi? Attends, laisse-moi tester. Ah voilà, dans ta mère la pute, voilà. Comme ça tu sais pourquoi je voulais tester. Non les gars, il m'a énervé. Il m'a énervé. Je le dis justement, il y a une autre save en haut. Je vais voir ce qu'il y a. Est-ce que c'est un endroit que je pouvais pas atteindre? Et le mec qui me dit t'es bête ou quoi? Bah dis que ta mère la pute, voilà tiens, voilà. Voilà, je vais gagner du temps moi. Ouf, j'ai chaud. Ça y est, tu veux plus regarder un truc dans un jeu? Si tu one shot pas, les mecs ils te cassent les couilles. Bah non. J'ai le droit d'observer, de regarder, ouais, on dirait. Maintenant c'est ça que je vais faire avant de faire un let's play. Je vais regarder un let's play. Je vais regarder un let's play en intégralité et après je vais venir jouer. Je vais tout réussir d'un coup. Et là on me dira ah ouais crame t'es chaud. Sinon c'est impossible. Vous attendez à de la performance XXL ici en fait. Ce que je vais faire maintenant. J'en suis sûr, y'en a ils font ça en plus. C'est sûr, y'en a ils font ça. Ah, tu dénonces certains streamers. J'en suis sûr, j'en suis sûr. J'ai pas de... Je peux accuser personne parce que j'ai pas de preuves. Hein. Mais maintenant que je le dis... Je l'ai pas fait avant, frère. Le streamer Smash et toi, le problème, j'ai ça de Rayou. Dans question pour un champion. Hein? Ne laissez aucun poisson à la traîne. Voilà, c'est gratuit, frère. En plus, ils étaient plusieurs à dire. Laissez mon pote étoile tranquille, je vous baiser. Mais comment je les aide, ces clochards? C'est reparti. Mais quoi? Mais après il y a un trou ici. Après moi je veux faire avec la forme difficile, j'avais pas vu. Ah, j'ai réussi avec l'autre. C'est un bonhomme, frère. Faut jouer aussi dans le jeu. Il faut juste le saut parfait. C'est vraiment le saut parfait en plus.
je peux arrêter de manger la pomme. L'acteur, non mais là je l'ai dit, mais quoi? Et après je l'ai vu dans le chat. Ça. En tout cas, je l'ai réussi. Il est trop fort. Mais j'étais pas en train d'essayer de camoufler ça. Hein. La fierté, c'est trop. Mais vous êtes complètement malade. Ce saut égale vivre pour les caméras. Les gars, la vie de ma mère, j'aimerais bien. Mais je suis un abruti, je l'ai pas vu, wesh. Le carré, il est en face de moi, je l'ai pas vu. Genre vraiment, j'aimerais bien avoir vécu pour les caméras, j'aurais aimé. Mais j'ai quand même réussi le saut, ça. Mais je suis juste un idiot, frère. Ah, je suis trop énervé. Non, mais parce que dans le jeu, il nous habitue à faire des sauts de fou aussi, frère. Merde, 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 j'ai troll. Je crois que c'était comme les bocaux. Je sais qu'il faut aller derrière, je le sais, mais j'ai trop la flemme d'aller derrière. Attends, je pré-shot les mecs, ils vont me dire il est débile. J'ai juste la flemme d'aller derrière. Mais tu vois, en fait le biscuit là de tout à l'heure, il est pour maintenant. Mais le problème... Le problème... C'est que toi tu vois le biscuit, tu te dis c'est là-bas qu'il faut aller. Et du coup ça nique ta vision des choses. Trust me, these fish are up to something. Oh. Oh no! OMG. Sauf tout le monde libérable! L'art libérable! On sauve tous les poissons de l'aquarium! Liberta, liberta! Liberta para el todo del pescado! Bah, 2 étoiles, bizarre. Vas-y, envoie une cinématique de fin, frère. 2 étoiles méritées. Et là, imagine, ils sont rattrapés. C'est le mec qui a le TF4. On les a libérés, wesh. C'est nos sahab maintenant. Je dirais, je suis plus ému, ils m'ont baisé, frère, ils m'ont remis une finale. Franchement, excellent jeu. Hein. Je vais aller mettre 5 étoiles sur Steam. C'est où pour noter là? Page du magasin. Des points qui sont très positifs, mais aussi des points qui sont très négatifs. Jouer 7-8 heures sur le Game Pass. Concept de jeu très original et apprécié. Une conception artistique et un level design réussi. Une durée de vie de jeu très correcte, surtout si vous souhaitez atteindre le 100%. Énigme pas trop difficile d'accès. Bon, ça dépend. On ne reste pas rarement bloqué longtemps sur une énigme, frérot. T'as pas fini le jeu, je pense. Je pense que t'as pas fini le jeu. Parce qu'elle raconte, c'est carrément pas vrai. Un prix correct pour l'expérience proposée. Une très mauvaise optimisation. Il a réussi à mettre à mal ma RTX 3080. C'est peut-être un point qui sera corrigé à l'avenir, donc voir. Menteur. J'ai même pas une RTX 3080 et je lag pas. Il ment. T'as juste mal optimisé ton PC. La caméra du jeu parfois mal gérée qui vous gêne pour passer certains obstacles. C'est quand même gérable. Pas du tout. Faux. Un jeu basé sur les lois physiques que nous connaissons. Inertie, poids, vitesse. Mais peut-être trop par moment.
la prise en main peut devenir délicate si vous ne prenez pas vraiment votre temps. Après, c'est le but d'un jeu aussi. C'est pas t'appuies sur Z et le truc il t'envoie et tu gagnes. Ah non, là, c'est... Là, justement, je trouve que c'est un plus dans le gameplay. C'est que c'est un peu dur, tu vois. C'est que c'est... des fois, c'est un peu chiant. Tu dois recommencer. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Game design assez mauvais, malgré son apparence, ne convient pas aux plus jeunes. Quoi ? Ah, pour un petit jeu comme ça, je pense que je mets ça devant un petit de 8 ans, il passe, il s'amuse. Hein. 2 heures en tout. Bah ouais, il a même pas fini le jeu. Il a même pas fini le jeu. Ah, parce qu'il a joué sur le Game Pass, mais je te crois pas, frère. 0,2 heures lors de l'évaluation. Comment tu peux ne pas recommander ce jeu ? Ça va, frère. Il y a du temps de jeu, c'est amusant, c'est marrant, il y a plusieurs styles de jeu. Certains du passage du jeu deviennent très frustrants. Il y a une sorte de facteur RNG qui peut vite vous pourrir. Aucun facteur RNG. Par exemple, si vous cassez un obstacle, la chute des objets sur votre parcours n'est pas scriptée. Parfois, vous allez vraiment galérer 8-10 fois et la 11e, ça passe d'un coup tout seul. C'est juste que t'as été mauvais, comme moi, et j'ai recommencé, j'ai réussi. Alors que vous avez tenté la même chose. Non, non, il y a des sauts qui sont super difficiles. Vous voyez le saut là, de fou que j'ai fait à la fin, au lieu de passer devant le carré bleu en bas ? Ça, c'est un saut difficile. Et il y a un moment dans le jeu où tu dois en enchaîner 3-4. En soi, c'est un très bon jeu sur son concept et le plan théorique, mais qui peut vite devenir frustrant si vous ne maîtrisez pas votre patience. Après, ça y est, c'est pas non plus... un die and retry de 1000 morts, frère. Tu meurs 20-30 fois par run, ça y est, maximum. Non, franchement, récompense est mort. Non, je suis désolé. Je suis désolé, les arguments qui sont... Il peut ne pas aimer le jeu, c'est son délire. Mais les arguments qui sont émis, je suis désolé, non. Super cute for children, but hard for 40 years old. I rage quit with a flying fish. Amusante. Il a 40 ans. Il était trop nul. Moi, le poisson volant, je suis un monstre dessus. Je ne suis pas habituellement fan de ce type de jeu, mais celui-ci a su garder mon attention pendant des heures. Je joue sur Xbox avec ma fille. Loin d'être destiné aux plus jeunes, malgré son apparence, ce jeu propose un niveau de challenge élevé et saura mettre à mal la patience exemplaire que vous essayez de montrer à votre enfant. Quelques mots peu raisonnables risquent de vous échapper, je vous préviens. Mais non, je crois pas. Les graphismes et le level design sont excellents, l'histoire très drôle et vous pousse constamment à vouloir passer au niveau suivant pour en savoir plus. C'est vrai que le scénario est incroyable. Un point négatif sur PC, il y a l'optimisation car ce jeu fonctionne étrangement bien sur Xbox Series S alors qu'il met ma bécane Ryzen 7 RTX 3800 10000. Non, on s'en fout. Ok, dommage. Et je crois que c'était mal optimisé avant. Hein. Un jeu à la base sympa. Une bon, c'est cool. Le prouveur. Bonne OST et beau graphisme. Et pourquoi tu recommandes pas alors ? Cependant, une maniabilité tout simplement dégueulasse. Mais c'est le but du jeu ! C'est le but du jeu, bordel ! Quand t'es dans un bocal et que tu dois aller à droite, à gauche, en haut, à droite. C'est pas... C'est, ils ont pas des jambes, c'est des poissons. 3 des 4 poissons, c'est encore gérable, sauf les moments où on est dans des espèces de bocaux à cornichons. Oui, mais ils sont pas longs. Même moi, j'aime pas les bocaux à cornichons. Mais ça va, frère. Justement, c'est bien de temps en temps. T'essaies de utiliser la même chose. Oui, mais sur le coup, ils cassent les couilles, ces bocaux, quand tu les as. Mais une fois que t'as passé, c'est bon, frère. Je comprends. Sur le coup, ça me fait chier. Mais je comprends dans l'intérêt du jeu que c'est bien. Alors, on dirait... Rends fou les gens comme ça. Eh, le jeu, il est bien. Moi aussi, je vais mettre ma note. Ça va ? Comment je fais, frère ? J'ai jamais mis de notes sur Steam. Ah, ici.
Big W. Jeu excellent, loufoque. Et avec un peu de challenge. Il a coûté combien? 6,79€. Bon. Bonne survivabilité. Ah bah nique sa mère, frère. Bon. Bon. Bon jeu. Ça s'écrit comment, loufoque? Ah ouais, je... Ah merde, j'ai mis 2€. Bon jeu, ça. Bon jeu. Allez, hein. Oubliez. Vous recommandez ce jeu? Oui. Amina, Amina, wake up. Ah. Frère, là, mais 2 O sur Loufox, c'est... Je regarde trop d'anglais en ce moment. UFC. Non, non, attends deux secondes. Enfin. Bah voilà. Hein. Un nouveau let's play dans l'année 2022. Hein. Nouveau let's play terminé en, dans l'année 2022. On est quasiment à 10. Je crois que j'en ai fait 8 ou 9. Fier de moi, fier de moi. Belle année 2023. On vise les 10 jeux. On vise les 10 jeux. Double digits. Un double-double l'année prochaine. 10 jeux pas finis, 10 jeux finis. Le seul. Non, j'en ai fait 8 ou 9, je crois, les gars. 8 ou 9, à peu près. Le premier sera Harry Potter. Non, il y aura sûrement un jeu en janvier. Il y aura sûrement un jeu en janvier, les gars. Abuse. Mais non, mais j'abuse pas, frère. Vas-y, dis en 2, s'il te plaît. Chokan, si je t'en dis 2, je te banne après. Je te mets 13 jours. J'attends sa réponse, peut-être qu'il va revenir sur sa take. Il a répondu ou pas? Il a dit oui. Mais comment ça se fait? Je le vois pas. Il a pas dit oui, bande de menteurs. Il a dit oui, TKT. Non, je suis à 8-9 à peu près. The Witcher, on s'est fait bait, GG. Eh, hey, j'ai dit que j'aimerais bien le faire avec... Ah, en plus, je sais même pas ce que ça donne, la new gen de The Witcher. Mais frère, The Witcher, c'est un jeu de nuit. Je peux pas lancer The Witcher à 21h, frère. On va s'endormir, sinon... Bah maintenant. Non, parce que je peux pas m'endormir trop tard. Live de Billy demain, Inch'Allah. Non, pas demain. Mais c'est cette semaine. Parce qu'il y a ça. Normalement, normalement, vous savez. Mais demain. Demain. Demain, live spécial. Demain, si vous êtes pas. Si vous êtes plus évité que invité. Demain, moi, je vous invite demain. Demain, moi, je vous invite. Voilà. Si vous avez, voilà, si vous avez personne qui vous a invité à la soirée, ou si vous devez le faire avec votre famille, mais vas-y, vous avez la flemme d'aller taper dans des casseroles sur le balcon à minuit, et ben moi, je serai là pour vous. Et demain, je vous préviens. Demain, je vous préviens. Venez en tenue de soirée, quoi. Demain, c'est soirée. Venez en tenue de soirée. Et je veux pas de mecs en pyjama, en short. Je veux des mecs en tenue de soirée. T'as abusé, wesh. Ah, hey. Comment ça, il y a tout le monde, il y a tout ce monde qui a fait le jeu. Mais arrache ta mère. Mais arrache ta mère. Les crédits, ils arrêtent pas de circuler depuis tout à l'heure. Ah, c'est des démos speedrunners, des mecs qui ont speedrun le jeu. Pour tester. Juste demain, soyez bien habillés, s'il vous plaît, quand vous venez sur mon live. On checkera. Demain, je ferai un check Discord. Je vous appellerai pour voir si vous pouvez rentrer dans la soirée ou si vous pouvez pas rentrer. Demain, venez saper bien. Drip check demain. Drip check avant le début de la soirée. Drip check.
Drip check. OMG ? Ils vont faire des oiseaux maintenant ? Oh non, allez, abuse, frère. J'allais chercher 40 biscuits pour jouer dans la lune. C'est un niveau bonus. Oh non. Eh non, hein. Ouais. J'ai donné, hein. J'ai donné, hein. C'est un niveau bonus. Eh non. OMG. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est non, les gars. T'as pas fini le jeu aussi, c'est comme c'est un DLC. J'ai fini, il y avait les crédits. Pour moi, dès qu'il y a les crédits, c'est fin de jeu. Le jeu est pas fini. Les gars, le jeu est fini. Les gars, le jeu est fini. Maintenant, à quoi on joue? Mais je crois que j'ai fait 10 jeux, en fait, au final. Non, j'ai pas fait 10, je crois pas 10. Je vais venir en claquette demain. Moi, tant que le haut, il est bien sapé, c'est bon. Le reste, on s'en fout. Enfin, le bas aussi, mettez un truc en bas. Hein. Attention. Attention, habillez-vous en bas aussi. Non, mais si vous êtes en chaussettes, c'est pas grave. Si vous êtes en costard, c'est bon. C'est bon. Faut se doucher absolument. Demain, faut sentir bon. Mettez du parfum et venez bien. Je ne sais pas sûr, demain, il va vivre des choses. Les gars, c'est mon t-shirt. C'est mon t-shirt confort, wesh. C'est mon t-shirt confort, mon gars. On peut pas, hein, on peut pas avoir un peu de confort dans cette vie de merde. On est obligé de venir Gucciser, Versatiser, avec des habits neufs, alors que je suis chez moi.